Evans Paul pété crié l'elle tendu le pas rentrer dans pays Canada. Bral fait entendre Evans Paul qui pas capable kembe encore même je font sorti le monsieur tendu que visa le coupé parce que nous connaît que Jean Bagayo a marché là depuis pays Canada prend yon décision, et bien ni les États-Unis ni la France a pas courbé en bas décision que pays Canada prend. Même République Dominicaine dossier à l'étude pour que yon tout qui fait partie pays de l'ONU pour yon t'applier en bas toute décision pays Canada a prend. Nous connaît déjà Laurent Lamotte, il est en pas qu'à rentrer dans pays Canada. Mateli tellement de problèmes Mateli en Haïti là le courir vinn cacher et selon en pile information mais Mateli dans difficulté là pour joindre même une servante parce que en pile monde pas décidé travailler avec Mateli moun yo paix arrestation yo paix de choukay pour pendant ta vinn fond de choukay là sous Mateli pour ta joindre dans kay là moun yo paix et bien Evans Paul lui-même qui trouvait en bas même sanction ça yo. Eh bien, Evans Paul obligé font sorti. Moi, a quitté n'tendé Evans Paul. Parce que dans le pays d'Haïti, j'ai l'impression que, comme qui perdu, comme Petro-Caribé, j'ai l'impression que c'est dans la poche qu'on a glité, et c'est un trou, poche l'état gagné, comme la coulé, il est tombé à terre. Parce que pas de nèg qui volait, pas de nèg qui bail groupe gang Zam, pas de nèg qui bail groupe gang l'argent. Ça veut dire depuis le monde est monde, eh bien Haïti est gouverné par des saints. Son bon saint n'est pas un saint. Vous regardez la motte Kabdou lui-même, lui son saint. Evans Paul son saint. Seyan son saint. Pas oublier, je ne fais pas ni Evans Paul ni Seyan. Mes amis, bon, bon, je fais entendre Evans Paul qui a crié dans l'intervention qu'il a fait. Haïti lui-même, lui, dans la situation, c'est-à-dire que le monde qui n'a pas
aller aux États-Unis, et bien, et je veux dire, en République dominicaine, est-ce que nous ne pouvons pas tenir compte de ça pour nous capables juste où, et non analyse que nous avons fait, parce que nous n'avons pas son clochard véritablement. C'est vrai, il y a rapatrié Haïtien dans des conditions inhumaines, je nous dans la rue, nous avons conçu des familles, et depuis, ou pas en mesure et pour être capable de présenter ces douleurs, ça veut dire, oui, et de vous capable pour présenter pièce d'identité, et pour montrer que ou légal dans le pays, donc il y a des expulsions. Ça, peut-être, dans les négociations qu'a fait, faut que l'autorité, et Haïtienne, t'a demandé de l'unité pour faire au notre cette job. Commission haïtienne, commission mixte haïtienne dominicaine, qui pratiquement est en veilleuse, et m'a dit oui, en berne depuis quelques temps. Bon, normalement, chaque pays a le droit de son territoire. Nous ne pas retirer le droit, l'État dominicain gagne pour défendre l'intérêt pays, pour lever les immigrateurs, etc. C'est sûr que Haïtiens ou victimes, mais c'est surtout qu'il y a un petit problème de côté de l'autre. Maintenant, dans toute situation, il y a actif, il y a passif, c'est vrai, il y a passif, il y a un mondialement de charité de l'autre bord, il y a toute qualité de bagaille qui est dérangée de l'Union, parce que je sais déjà un pays qui a accès en plus sous tout lui. Mais c'est pas seulement côté passif, ça y est, tout lui est à l'égard, l'autre bord, que Haïtien est possible. Mais il y a deux bagailles qui nous obligent à considérer fondamentalement. Il y en a, c'est l'autre qui peut gagner un pays, non, pour tout Haïtien pas obligé à chercher à réfugier le bois. Parce que quand on est dans ce style-là qui réfugie le bois depuis quelques temps, c'est pas peur. C'est monde qui est victime de kidnapping, c'est monde qui va capoter mon l'école, c'est monde qui compte le sacrifice d'ailleurs. Depuis quelques temps, gagner de revenus que c'est qu'on vient dans le pays qui a des République dominicaine. Par exemple, il y a un film qui est République dominicaine, c'est moi qui dans la diaspora qui a supporté, il fait un l'autre bord, justement pour assurer que la vie est protégée. Il y a même monde qui gagne une famille pour mourir en Haïti. C'est la République dominicaine, il y a une réunion avec la famille, même si on a tellement fait en Haïti, parce que venir dans le pays pour malheur arriver. Alors, premier élément qu'on considère, c'est l'ordre pour nous mettre dans le pays, pour nous rendre pays vivable, pour les citoyens, pas obligés à courir dans n'importe quelle condition pour y avoir point d'humiliation à l'étranger. Deuxième, là, maintenant, c'est au niveau diplomatique, pour nous prendre disposition, pour nous prendre de manière responsable et nous capables de tout demander support international, parce qu'il y a des conventions des relations diplomatiques, il y a des conventions qui existent entre Haïti et la République dominicaine qui ne sont pas respectées, parce que, mis à part tout ça, tout ça comme considération, il y a des questions donc humanitaires. Même si on va pas prier au monde, il faut respecter les dignités. Il ne faut pas apprendre, on n'a pas une chance pour baigner, on n'a pas une chance pour le mettre sous le lit. On va gagner une chance pour ramasser les affaires, il y a une pile d'humiliation dans la guerre. Mais notre fondation en tout gagner discrimination. Parce que ce n'est pas seulement mon affaire par bon qui est en République dominicaine. En plus de mon côté parlé avec le travail du haut, mais quand il y a une pile de monde, c'est qu'il y a du penser en République dominicaine. Il y a un monde qui est revenu en Haïti, qui a vécu en République dominicaine, qui mettait petit sur l'autre bord, qui a payé l'université bien cher pour nous, ça les dit pas là, qui pauvre, l'hypothèse en pile à quoi dans l'économie dominicaine, que ce soit dans la marchandise qu'on a acheté, que ce soit dans le corps diaspora, vous voyez, car la République dominicaine a parti depuis quelques temps, que ce soit dans le petit monde, on a voué l'école, on a voué l'université en République dominicaine, eh bien, il est clair que la République dominicaine, c'est pas seulement pacifio, les bénéficier largement de l'actifio. Maintenant, comme un sentiment anti-haïtien viscéral, ça veut dire que comme politique dominicaine, il n'y a pas de gens qui ont courage pour faire équilibre là. Ils suivent l'opinion. Et comme nous-mêmes tous,
nous pas gagné une diplomatie performante pour pas qu'être raison instabilité politique etc. Ça vient de faire haïtien sans défense. Et là, je pense que nous bien content de faire l'émission ce matin, bon après pour lancer non seulement à l'autorité qui est en place, mais à tout le monde qui connaît question, tout le monde qui est intégré en République dominicaine, tout le monde qui a investi en République dominicaine, parce que c'est même pas du tout, qui est haïtien depuis quelques temps, qui est propre, qui investit en République dominicaine. Alors, c'est une question qui m'a convaincu, ça me capable demander. Il y a un haut là, sous la maltraité haïtienne, demander un élan de responsabilité pour que les gens qui sont sous pouvoir, le ministère des Affaires étrangères en particulier, pour entrer en contact avec l'autorité dominicaine, pour demander l'instance internationale pour mettre un haut là dans les gens, il y a maltraité haïtienne pour nous souffrir, les femmes enceintes, les gens, et parfois, ils ont envoyé des citoyens dominicains tout en Haïti parce que pour eux, dernièrement, il y a des gens qui ont envoyé sous frontière qui sont de nationalité cubaine ou bien qui sont de nationalité colombienne. Donc, ce n'est pas seulement Haïtien qui immigre dans les pays dominicains, il y a l'autre nation, tout le monde haïtien qui plus. Alors, c'est un sentiment romain qui fait partie de la crise à vivre là. Donc, il n'y a pas qu'à chercher solution à la crise politique là. Sans nous pas corriger, garder de manière très responsable à la situation qu'on va payer qui n'a pas à deux reprises que faut le gouvernement haïtien tourner vers les instances internationales. Et c'est justement, et c'est ça qui est, qui fait que l'autorité dominicaine a agi comme ça. Dans un premier temps, et d'une des raisons qui t'a expliqué ça hier, c'est que nous lançons cette chasse aux Haïtiens, donc aux sans-papiers haïtiens, c'est après visite aux fonctionnaires du département d'État américain qui offrit presque $1 million au gouvernement dominicain pour être capable et gérer, on s'appelait les groupes minoritaires. Et qui sont nous tomber dans les oreilles et nationalisation, et que c'est réaction ça que Abinader a gagné pour montrer que lui-même lui très ferme et sous dossier et haïtien illégaux sous et puis deuxièmement c'est la Navarre Pelé, c'est le haut commissaire des Nations Unies très rapidement pour les droits humains et lui qui sont en état de vie, et puis ils ont son appel à la Dominicaine, autorité dominicaine, pour camper.